Bonjour, bonsoir tout le monde, Sophia TV83, réseau information. Haïti, dossier drogue la retourné pour la plus belle. Fois ça, yon frappé sénateur yon fort et yon même cité non moun kap passé drogue sorti la Colombie pour tomber en Haïti. Dit, et gen dossier nan men, mission yon pral reprendre et c'est ça m'pral invité n'tende ak gros déclaration ça. Ancien chef police Mario Andresol a vili sénateur yon qui nan drogue et longe doit être directement déterminé mais qui reste moun kap travail ak dit les drogues colombiennes et c'est ça tout qui permet États-Unis qu'un bendi tout drogue qui passe en Haïti sorti par Colombie et c'est nommé sénateur haïtien yo. Sans tarder plus information nous allons entrer directement dans la vidéo même m'a demandé aider partager toujours été abonné accroché à la chaîne là nous allons permettre amis auditoires nous attendez nous moun y a cité cause drogue en Haïti et dit gain mission dans le travail là pral continuer nous pral des cris dans Port-au-Prince nèg qui pral maré en bas code pour dossier gros drogue dans le pays d'Haïti. Nous pas hésiter et ben non et deux et sénateurs Sao lundi deux sénateurs nous connaît gagne qui en fonction et dans moment et n'appelle à côté le fait partie et tu restes et sénateur qui était et dans Sénat et républicain n'appelle de Jean-Marie Ralph Féthière nous connaît Jean-Marie Ralph Féthière c'est un monde qui prend prison pour aider ces drogues et déjà Jean-Marie Ralph Féthière qui fait partie institution et policière là et tout récemment nous te ouais c'est même Jean-Marie Ralph Féthière ça qui était utilisé Zamni et non et parlement côté le tiré à hauteur d'homme un journaliste qui était prend un balle et dans bouclé et qui était obligé pour y aller prendre soin dans pays étranger et nous et tout Hervé Fourcand c'est pas première fois non cité et dans cause et drogue dans pays Hervé Fourcand nous connaît qui gagne tête et privé et d'après directeur et général, ancien directeur et général de la police, Mario Andresol, Hervé Fourcand, Jean-Marie Ralph Féthière, c'est deux monde qui t'a travaillé, deux conseils avec Joseph Michel Martelly, écoutez, ils ont fait 5 km de piste dans le pays. Et Michel et Martelly n'a pas les deux zones écoute de fer et puis ça l'idée là et pour le Colombien ça revient avec et cocaïne en de pays c'est sous puis ça monsieur ça dès qu'on fait le descendre et bien et Mario Andresol fait qu'on est malgré effort et l'idée fait pour l'écraser puis ça après et quand son Aurélie était venu et prête institution et policière là et c'est un travail qui était complètement aidé suite parce que Godson Aurélie c'est venu travailler en façon pour le satisfaire ancien et président et Joseph et Michel Martelly avec la toute à connaître et nous pensons et révélation ça toujours les bons dans cause enquête sur assassinat président Jovenel Moïse le NAPGAD et comme étant ancien et magistrat Vilo Kaila Gabriel Fortuné le LT fait déclaration c'est même pas un président Jovenel Moïse qui livre le président Jovenel Moïse et même Joseph Michel Martelly comme un monde qui travaille depuis quelque temps avec les Colombiens et puis nous et là c'est même Colombien et pays Colombie ça il y a des moun la caillou pour venir assassiner le président Jovenel Moïse et ben nous pensons dans le dossier enquête pour assassinat et président et Jovenel Moïse révélation Mario Andresol et fait Jodan nous pensons et la pour bien que nous connaissons Mario Andresol tout c'est un monde qui te contre le président Jovenel Moïse c'est un monde qui te contre financer manifestation à terre dans la rue et contre le président Jovenel Moïse et ben Jodan là nous en confusion et continuer tomber dans le diable à côté il y a pensé révélation cap utile nous même dans diaspora qui passe seulement de justice pour président Jovenel Moïse cap utile nous même vivre en d'un pays d'Haïti qui passe sous de justice pour le président Jovenel Moïse. Eh bien, j'ai information à tomber à Joseph Michel Martelly, Jean-Marie Ralph Féthière, Hervé Fourcand, c'est trois et ce sont la famille, c'est une équipe de nègres qui travaille de concert avec la Colombie pour faire cocaïne et passer sous bouteille, papa, des salides. Mesdames, moi, mais ça me souhaitait, moi de tout le monde qui gagne les âmes, non, mais yo, je suis haïtien même avec nous. On dépose les âmes pour permettre que nous couvrions vide et institution pour faciliter une élection libre, honnête, démocratique, inclusive, pour nous renouveler le personnel politique pour payer à open. C'est ça. Moi, c'était fait une conférence de presse et puis moi déclaré que uniforme noir pas existé dans la police. Si population a remarqué nèg avec un uniforme noir dans la rue, c'est pas policier. Quand à monsieur Esayo, si toutefois il y a noir, c'est mon qui a fait kidnapping et dans pays et bien et Joseph Michel Martelly lui-même était demandé en pile et bagaille, littéralement, même pour intégrer bandit ça yo et qui était révoqué dans la police pour trafiquer drogue et parmi bandit ça yo dans moment nous sénateur en fonction ça et Mario Andresol a parlé de Lyon Jean-Marie Ralph Féthière et qui sénateur qu'on a et qui c'est un ancien policier et c'est une qui était révoqué dans l'institution pour orgue et nous, Mario Andresol et lui fait qu'on est tout, que lui pas quoi que même dès que la police a le travail avec un individu et comme ça, et bien, l'ancien président Joseph Michel Martelly demandé pour me réintégrer et non, et institution et policière là, et moi qui te refusé, et dans le moment, moi te commissaire et Pétionville et Joseph Michel Martelly t'a travaillé avec un groupe colombien, côté le tapoté drogue et pouillot, et réseau ça qui te constitué de son et la familia, sous la familia, noté, ouais, qui te arrêté et sous, et sous emprise Joseph Michel Martelly, lui, te présenté par devant juge, a dit, ou mettre aller et Mbappé chez encore, et ce sont la famille qui fait partie de Basse Galil, qui te retourné à Bandouak pour la plus belle, qui te retourné à Pékitapignan pour la plus belle, et bien, et c'est pas seulement ce sont et la famille qui te constitué de groupes ça, qui t'a travaillé ensemble avec les Colombiens, ou bien tout, ancien sénateur Hervé Fourcand, et c'est au Namoun tout, qui t'a travaillé avec les Colombiens, et moi-même, comme étant directeur général de la police, moi, t'as détruit au moins 5 km piste dans la zone écoute de fer, dans la ville et Martelly, et 5 km et piste ça, c'est un piste ancien président et Joseph Michel Martelly, de concert avec un sénateur en fonction et Jodia et Jean-Marie Ralph Féthière, qui c'est à la fois un ancien policier qui était révoqué pour causer drogue et institution et policière là avec un Muntakou ancien sénateur Hervé Fourcand. Et bien moi t'as détruit 5 km et piste côté Nexa où qu'on fait avion et descendre pour vendre drogue. Et bien et d'après déclaration ancien directeur général et la police on a parlé de Mario Andresol, ancien président Martelly, Hervé Fourcand avec le sénateur Jean-Marie Ralph Féthière qui parmi 10 sénateurs qui étaient dans le Sénat républicain, c'est un groupe nègre qui travaille ensemble avec un série colombien côté, il y a passé droit pour eux en dans les pays et d'Haïti. Mes amis, moi j'espère que nous entendons bien et si nous avons des questions à poser à Mario et Mario Andresol, c'est gros déclaration là, mesdames et messieurs, il parle de deux sénateurs sérieux qui a transféré drogue pour Colombiens. Deux sénateurs, et sans compter, il parle de Michel Martelly. Mesdames, messieurs, c'est sérieux. Et Lionel, excusez-moi, Anderson, une en fonction, et une qui sont anciens sénateurs, sans compter, il parle de Michel Martelly, qui est président, drogue que M. Sayo a utilisé pour aller passer vers le pays Colombie. Et ce n'est pas une accusation sérieuse. Et petit, et je pense que après déclaration, sa carrière politique, Michel Martelly, déjà qu'il était fini, mais là, pas arrêté en rien encore pour l'éclater comme une bouteille là.